Viatique pour se muscler la tête est mon deuxième ouvrage édité à Harmattan Sénégal. C'est un deuxième livre qui aborde quatre questions spécifiques. Un rapport à l'humain. C'est un dialogue d'abord avec moi-même. C'est un dialogue avec ma solitude. Et je pose des questions de qu'est-ce qui fragilise la personne. Étant donné que nous manquons beaucoup d'espace de communication, il m'arrive souvent, face à mes problèmes, face à mes difficultés, de ne dialoguer qu'avec moi-même. Et ce sont ces dialogues-là que je partageais avec mes amis, qui s'appelaient les viatiques. Les viatiques sont devenus quelque chose de régulier qui me permettent toutes les semaines d'avoir ce contact-là. Plus tard, beaucoup de mes lecteurs, de mes amis, m'ont demandé de compiler. Mais il y avait aussi ce désir de mettre en volume ce livre-là. Et dans ce viatique pour se muscler la tête, il y a des viatiques, avec un hashtag Nairafet. Parce que pour chaque situation, que ce soit pour le rapport à soi-même, la force mentale, que ce soit pour la vie en communauté, que ce soit pour la citoyenneté active, que ce soit pour les anciens disent, c'est un cheminement, c'est un dialogue. Ce livre est écrit comme un dialogue entre moi et moi, entre le lecteur et moi, mais un dialogue aussi entre le lecteur et lui-même et le lecteur et le livre. Ces quatre dialogues-là s'interfèrent dans ce texte-là. Il est écrit de sorte à ce que les viatiques ne soient pas dans un ordre chronologique, mais dans un ordre thématique, qu'on peut lire à partir du premier viatique ou à partir du dernier, et sauter un viatique n'empêche pas de comprendre, parce que chaque viatique est une unité de sens assez complète. Donc c'est la première fois que j'accepte de mettre en ouvrage ce type de réflexion sur notre société, parce que les caractéristiques à partir desquelles on analyse notre psychologie ne sont pas exactement conformes à notre patrimoine culturel. Donc je me repose beaucoup sur le patrimoine culturel pour interpeller le lecteur, pour m'interpeller. Souvent des personnes m'appellent pour des conseils, des personnes m'appellent pour dialoguer avec eux-mêmes. Moi-même ayant besoin de ces conseils-là, je me suis dit pourquoi garder tout cela ? Et pourquoi ne pas permettre à ce qu'un ouvrage puisse aider à la réflexion des élèves, des étudiants, qu'il puisse aider à la réflexion dans le domaine de la psychiatrie. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le jour où, sur le LinkedIn, une psychiatre qui est en France, que je n'ai jamais vue, m'a dit qu'elle reprenait les viatiques dans le cadre de sa thérapie. Et que ce dialogue-là a été établi avec nous-mêmes. Dans des moments aussi où j'ai traversé des moments extrêmement durs en 2020, les viatiques j'ai relu mes propres viatiques pour avoir beaucoup de courage, pour continuer à vivre avec ma famille, continuer à vivre avec mes enfants à la mort de ma femme. Et je m'étais dit qu'un jour, ce que la Bruyère avait fait pour les Français, pourquoi est-ce qu'un jour je n'essaierai pas de le faire ? Ces viatiques sont un don du ciel. Chaque texte est écrit à partir d'un mot, à partir d'une situation. Mais beaucoup de textes naissent d'injustices que je vois ou bien de désir de partager une citation. Mais tous les textes sont originaux. Ce que je voulais éviter, c'est de reprendre des phrases des uns et des autres, etc. Donc, viatique, pour se muscler la tête, et effectivement un livre de ressources mentales. Pour moi d'abord, ces viatiques m'ont beaucoup aidé à ne pas être seul. Et c'est un livre aussi de pédagogie sociale, parce qu'on a beaucoup d'injures publiques, on a beaucoup d'invectives dans la société. Toutes ces questions sont abordées. Comment vivre heureux avec soi-même, pour vivre heureux en communauté, devenir un citoyen actif. Mais pour cela, il faut se reposer sur le patrimoine et sur la littérature et sur les références avant de s'ouvrir au monde. C'est pourquoi nous avons ces quatre étapes-là.